Merci pour votre accueil. Donc, moi, je suis Christophe. Celui des deux qui s'appelle Christophe, c'est moi. Et donc, moi, je suis en charge de tout le digital à la Redoute, donc la partie web, les applications mobiles et notamment la WebPerf. Du coup, moi, c'est Alexandre et je suis développeur au sein de la Redoute sur la partie front et sur le site public. Et je vais aider Christophe sur cette présentation. J'ai toujours besoin d'aide. On va vous expliquer un petit peu comment construire une communauté WebPerf. Vous avez eu plein de confs. Enfin, moi, j'ai adoré les confs qu'on a eu aujourd'hui. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses personnellement et c'était très bien. Là, nous, notre objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a mis en place l'animation de la WebPerf au sein d'une entreprise utilisatrice. C'est-à-dire que nous, notre cœur de métier, c'est de vendre des produits à nos clients. La WebPerf, en fait, c'est souvent vu comme une contrainte quand on est ce type d'entreprise-là. Et donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on anime en fait, le fait que la WebPerf ne soit pas qu'une contrainte, mais soit vraiment quelque chose qui fasse partie de la stratégie un peu de l'entreprise au niveau de son activité. Un petit agenda rapide, on va vous présenter juste en un slide, vous rappeler qui est la Redoute au cas où vous ne connaîtriez pas. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi construire une communauté WebPerf, comment on s'y prend, quels sont les résultats qu'on a obtenus. On a un use case, on va vous expliquer sur un cas précis qu'est-ce qui s'est passé et comment on a pu traiter un problème grâce à notre communauté WebPerf. Et puis, une fois qu'on vous aura présenté les résultats obtenus, on vous dira quelles sont nos prochaines étapes. La Redoute en un slide et très rapidement, donc vous avez peut-être entendu parler de la Redoute quand vous étiez petit en voyant un catalogue sur la table basse de papa-maman ou de papy-mamie. La Redoute aujourd'hui, c'est plus un catalogue, c'est une boîte digitale. Et donc notre business, c'est digital. Et c'est digital pas que sur le web, mais aussi beaucoup sur application. Comme vous le voyez là, en fait, on est une entreprise aux racines françaises, mais aujourd'hui, on a plus d'un tiers de notre activité qui se fait à l'international. On est une entreprise, on est un e-commerçant avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 35% à l'international. Et aujourd'hui, la part de l'application, elle est assez importante, puisqu'on a 2,3 millions de porteurs d'app au niveau de la Redoute. Et l'autre truc important, quand on parle de WebPerf, c'est que la navigation mobile, donc le web mobile hors app, c'est plus de 50% de notre trafic sur la France, ou c'est à peu près 50% de notre trafic sur la France. Et c'est quelque chose qui augmente régulièrement. Donc en fait, ces notions de WebPerf, elles sont importantes quand on est une entreprise digitale comme nous, parce que bah, en fait, ça va être vraiment des signaux, même si c'est des signaux qui ça ne fait pas tout. C'est des signaux qui sont importants quand même, et c'est vraiment une expérience utilisateur, au-delà de l'aspect métrique, il y a vraiment une notion d'expérience utilisateur. Voilà, donc si vous n'avez pas découvert la Redoute depuis un petit moment, n'hésitez pas, www.laredoute.fr. Pourquoi construire une communauté WebPerf? En fait, on va commencer basiquement. Au départ, on a essayé 100 et ça ne marchait pas. C'est-à-dire que quand on veut animer de la WebPerf et qu'on n'a qu'une équipe technique qui trouve ça intéressant et qui se dit que ça serait cool de creuser ça, on va s'amuser entre nous, mais on n'arrivera jamais à défendre en fait, ces sujets de WebPerf et à les faire prioriser dans l'entreprise. Donc, premier point, 100, ça marche moins bien. En tout cas, c'est ce que nous, on a vu. Pour que ça fonctionne, un comité WebPerf, c'est un peu comme Tetris, il faut que tout s'emboîte, c'est pas toujours simple, et pour que tout s'emboîte, il faut avoir des points de vue différents. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il faut qu'on ait des gens qui viennent de différents horizons, il faut qu'on ait des gens qui viennent de différentes équipes, pas que des techs, pas que des personnes qui viennent du dev, il faut qu'on ait des personnes qui viennent d'autres horizons pour que les choix, les explications soient partagées, acceptées, et surtout derrière, communiquées. Parce qu'en fait, le comité WebPerf, son objectif, ce n'est pas de bosser en chambre, c'est de faire en sorte que ce qu'il va produire, ça soit utilisé par l'entreprise. Donc pour que ça soit utilisé, il faudra le communiquer. Et donc, cette fluidification de la communication, c'est super important, et c'est une fluidification de la communication entrante et sortante dans la WebPerf, parce qu'en fait, la WebPerf, ça doit aussi se nourrir des différents signaux qui sont dans l'entreprise, pour lesquels les gens peuvent se demander si la WebPerf peut être une raison d'une non-performance ou d'une baisse de performance à un moment donné. Donc il faut être à la fois à l'écoute et communiquer. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Et puis, chacun des participants du comité WebPerf, en fait, il doit vraiment porter le sujet et être un acteur de la WebPerf dans l'entreprise. Parce qu'encore une fois, si on veut que ça fonctionne, si on veut que ça soit connu et que ça fonctionne dans le temps, pas juste en effet coup de poing, on a un problème, on se réunit, on le résout, c'est une task force et c'est fini. Si on veut que ça marche dans la durée, il faut vraiment qu'il y ait une notion d'incarnation de tout ça. Et donc, il faut que les participants soient des acteurs vraiment. Donc, il faut avoir cette dimension-là. Et du coup, quels sont les acteurs de ce comité? On va avoir deux gros types d'acteurs différents. On va avoir ceux qui sont là de manière récurrente, qui vont être là à chaque réunion, qui vont participer vraiment activement au comité régulièrement, et une partie un peu plus ponctuelle qu'on va appeler les invités. Parmi les résidents, on va avoir des membres plus ou moins techniques. On va prendre des devs de l'infrastructure. C'est le cœur de métier de la web performance. Mais on va aussi intégrer du SEO,
parce que on a remarqué que c'est quand même étroitement lié et que c'est intéressant que on ait un acteur dans ce domaine. Mais on va aussi inclure le business. Pour notre cas, donc inclure un core business, pour notre cas c'est le e-commerce et aussi du marketing. Parce que, comme l'a dit Christophe juste avant, il faut pouvoir communiquer, mais il faut aussi qu'ils soient acteurs et qu'ils comprennent bien le principe de la web performance. Et avec ça, on va rajouter un boss. Alors le boss, c'est pas un boss du comité, ça va être une personne avec un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la web performance au sein de l'entreprise, c'est encore assez vague, c'est assez compliqué de faire avancer un projet. D'intégrer un projet de web performance dans une backlog déjà existante, si on n'a pas quelqu'un avec un peu de pouvoir décisionnel pour nous aider, c'est compliqué. Au niveau de la grandeur de ce comité, ça peut aller de une personne, par exemple on va avoir un seul boss, en avoir plusieurs ça ne sert pas à grand chose. Par contre, des développeurs ou de l'infrastructure, d'en avoir plusieurs pour travailler sur le sujet, c'est intéressant. Mais on va essayer de garder quand même un comité assez restreint et ces personnes vont être les référents dans leur domaine. On n'est pas sur une équipe séparée, chaque acteur fait partie d'une équipe dans leur domaine et ils vont être là en tant que référents et répandre la web performance dans leurs équipes respectives. Et à côté de ça, on va avoir des invités, notamment les web analytics, qu'on a notamment besoin sur la web performance, mais aussi des partenaires externes. Dans notre cas, notre partenaire externe majeur, c'est Google. Alors maintenant qu'on a vu qui constitue le comité WebPerf et pourquoi on avait envie d'en créer un, quelle animation et comment est-ce qu'on le fait vivre ? En fait, le comité WebPerf, si on veut que ça soit efficace, il faut lui définir une fréquence. Et nous, la fréquence qu'on a définie, c'est la semaine. Donc, en fait, c'est des réunions qui sont hebdomadaires. Pourquoi la semaine ? Parce que, encore une fois, comme vient d'expliquer Alex, les gens qui font partie du comité WebPerf, ils ont d'autres métiers dans l'entreprise. Ils ne font pas ça à temps plein. Et donc, on ne peut pas mettre des délits parce que ça serait trop contraignant. Pour autant, le comité WebPerf, il est avant tout là, et on le verra après, pour nous empêcher d'avoir des accidents. Et donc, si on veut empêcher ces accidents, il faut se voir suffisamment fréquemment. La semaine, ça nous a semblé être le bon rythme. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on tient depuis un peu plus d'un an et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, qu'est-ce qu'on a défini comme objectif à ces réunions hebdomadaires du comité ? C'est des réunions de 30 minutes, hein, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter comme temps que ça consomme aux équipes. C'est toutes les semaines, c'est le jeudi en général, et c'est 30 minutes. D'abord, on va regarder nos indicateurs. On a défini un certain nombre d'indicateurs de WebPerf et on va les regarder systématiquement pour s'assurer que tout se passe bien, tout est OK et pouvoir définir un plan d'action si jamais, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas OK. On va regarder comment est-ce qu'on a travaillé sur le plan d'action de la fois dernière. C'est normal, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire normalement pour tout type de réunion. On se voit pour se dire qu'on va faire des choses. On regarde si on a bien fait les choses qu'on s'est dit qu'on allait faire. Donc ça, on s'applique cette méthodologie-là qui est bien au-delà de la WebPerf. Et on va définir les plans d'action du coup pour les prochaines itérations si jamais on a identifié de nouveaux éléments à traiter. Très important, on ne peut pas juste faire cette réunion. Il faut qu'il y ait des comptes rendus de ces réunions. Pourquoi ? Parce que même si on demande aux gens de participer systématiquement, il ne faut pas que ça soit un truc optionnel, la WebPerf, sans quoi ça ne marche pas, une fois encore. Mais même si les gens viennent tout le temps, il y a des congés, il y a des périodes où exceptionnellement, quelqu'un est sur un salon, sur une expo, quelque part, il ne peut pas participer. Ça lui permettra, le fait d'avoir des comptes rendus, de pouvoir aller lire les éléments, de pouvoir voir où en sont les sujets et de pouvoir se reporter à ça. Et donc, ça nous aide aussi à suivre la priorisation et l'affectation des différents sujets à chaque personne. Et si on veut que ça marche encore une fois, on identifie un sujet, on identifie un porteur de sujet. Donc, quelqu'un dans le comité va porter les sujets. Ensuite, on a d'autres types de communication qui sont des mails. Comme je vous l'ai dit, on est une entreprise qui est assez internationale. Maintenant, on intervient avec une dizaine de pays. Et en fait, la façon d'animer le site, c'est très décentralisé. C'est-à-dire que dans les pays, les gens qui vont animer en fait, commercialement le site web, ils vont le faire localement. Donc, c'est des personnes qui sont réparties dans les différents pays, qui vont venir changer des pages, inclure des bannières, etc. Et donc, on a besoin de communiquer avec eux. Pourquoi ? Et on leur envoie des mails de manière hebdo, après notre comité WebPerf, quand on a fait les analyses, pour leur donner des bonnes habitudes, des bonnes pratiques, éduquer et leur rappeler un certain nombre de choses, mais aussi les accompagner, et créer un lien avec eux qui ne soit pas qu'un lien sur des éléments un peu punitifs. « T'as mal fait ça, regarde ce que t'as dégradé. » Voilà. De temps en temps, c'est bien aussi de dire aux gens quand ils ont fait bien quelque chose et qu'ils ont fait une intégration qui a bien fonctionné. Sur le côté, là, vous voyez une illustration justement d'un des mails qu'on envoie. Ça, c'est un extrait d'un des mails qu'on a envoyé. Donc là, vous voyez, on met des exemples de bannières, parce qu'il y a des personnes qui avaient intégré des bannières un peu pas comme il aurait fallu. Donc, ils ont défoncé le CLS avec leurs bannières gentiment. Donc là, on l'a vu dans les graphes. Ça nous permet de montrer aux personnes, attention, là, ce que tu as intégré, en fait, voilà l'impact. Tu l'as intégré à telle date, tu vois, là, on le voit sur la courbe, et voilà ce que ça a produit.
Si tu l'intègres de cette manière-là, ça va te permettre de revenir dans le vert, tout sera bien et tu auras toujours ta bannière, mais simplement, ça sera bien intégré. Donc ça, c'est vraiment cette dimension d'accompagnement. Ensuite, on a des communications ad hoc. Donc là, on se disait tout à l'heure, bah, de temps en temps, il y a des accidents et on a besoin de travailler de manière spécifique sur un sujet. Donc là, on va l'animer de manière ad hoc. Donc on fait des réunions ad hoc, mais on fait aussi des comptes rendus ad hoc. Encore une fois, la web perf, si on veut que ça marche, il faut écrire pour pouvoir expliquer, communiquer et transmettre dans l'entreprise. Et puis, on a le partage technique. Ça, c'est un autre point important. Le fait de discuter avec plein de personnes, des intégrateurs, des personnes qui vont travailler sur le contenu des pages, etc., ça nous permet de les former, de leur expliquer et de les faire grandir en comprenant mieux, en fait, quels sont les drivers techniques. Et en fait, le fait d'avoir un comité WebPerf, ça leur donne aussi un point d'accroche. Quand quelqu'un se pose une question chez nous, bah, ils savent qu'il y a le comité WebPerf. Donc, en fait, ils vont nous poser la question. Et comme on leur envoie des mails, bah, c'est facile, ils savent à qui ils doivent poser la question puisqu'ils ont les informations dans le mail. Donc c'est cette animation-là, c'est le cérémonial qu'on a mis en place et de notre point de vue, ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Et pour faire vivre le comité, il nous faut des outils pour tracer nos web performances. On va utiliser ce qui a déjà été présenté plusieurs fois aujourd'hui, hein, mais la trinité des Core Web Vitals avec le LCP, le CLS et le FID. Ça, on le suit régulièrement et aussi le ranking SEO. Parce que pour ceux qui ont suivi la conférence sur Sherlock, le SEO, le ranking peut très bien nous être un indicateur d'une baisse de web performance qu'on n'a pas monitoré à côté. Et ça, on va y revenir plus tard parce que ça a été notre cas justement. Ça, c'est pour les indicateurs. Au niveau des outils, le Crux Dashboard, c'est un très bon outil pour voir un peu notre état de santé. Lors des développements, on va travailler aussi avec Lighthouse et le Chrome DevTools. Et les autres plugins, donc ça c'est d'être les parties plus techniques, mais Web Vitals et CLS Visualizer. Mais avec tout ça, on n'a pas vraiment de monitoring en live de nos données, et c'est là qu'on a notre dernier outil qui va être Dynatrace. Rien de tel qu'un bon ROM. Avec cette donnée, on va avoir des dashboards sur à peu près tous les pays qu'on a, sur différentes pages, et on a mis un dataset sur 30 jours, ce qui nous permet de voir un peu en temps réel et dans le passé où en est l'état de notre site. On va avoir deux grosses informations, une information numérique qui représente l'index global, ici c'est sur le CLS, on va avoir l'index, la valeur CLS habituelle, et le graphe qui représente tout au long de la vie du... Enfin, tout au long de la journée, qu'est-ce qui s'est passé ? On va avoir, par exemple, sur les graphiques en bas à gauche, on va avoir des exemples de cas où on a eu une baisse de CLS et qu'on a détecté assez rapidement et qu'on a traité du coup et qui est redescendu assez vite. Tant que ça reste ponctuel, on n'a pas de dégradation au niveau du ranking et c'est ce qu'on recherche en monitorant régulièrement ces web performances. C'est là qu'on va entrer dans notre use case qu'on va présenter. Il faut que notre métrique soit bonne. Ici, on a deux fois le même dataset sur la même période. Notre vision, on est sur un percentile à 90, c'est-à-dire qu'on écrète 10% des cas les plus extrêmes de notre CLS. Et en dessous, la vision que Google partage, hein, qui est à 75. À l'époque, on s'était dit, si on prend plus, on va avoir de meilleurs résultats, on va englober plus de personnes. Alors oui, c'est le cas, on englobe plus de personnes, mais on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Là, on voit que ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en octobre, on a fait la nouvelle identité de la redoute, changement du site, changement du menu, du header, et gros pic sur le CLS, là où nous, on considérait qu'on était mauvais, mais de manière générale. Vision Google, on était... bon ou passable, et en fait, on est passé à très mauvais. Ça, avec notre vision, on était totalement aveugle sur le sujet, on n'a rien vu passer, et c'est là qu'un de nos acteurs va rentrer en jeu, l'intérêt d'avoir le SEO, parce que eux, ils l'ont détecté. Alors, 14 jours plus tard, on a le problème qui est survenu à la barre rouge. Au niveau ranking SEO, ça survient 14 jours plus tard, donc à ce moment-là, lors d'un comité, le responsable SEO qui va nous dire on a un truc en SEO, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose ? Vous n'avez pas fait quelque chose. Si on n'avait pas eu la personne dans le comité, le temps que ça revienne par différentes étapes, différentes hiérarchies, et que ça arrive à un développeur qui dise « Ah bah si, on a fait quelque chose », ça met beaucoup plus de temps. Donc ici, on arrive dans ce cas où c'est détecté. Si on avait attendu le dernier outil qu'on utilise, c'est-à-dire le Crux Dashboard qui arrive à la fin du mois, on aurait été encore plus en retard. Donc l'intérêt du SEO, découvrir quand même dans des cas un peu spécifiques. Ce qui s'est passé, on a eu un CLS invisible.
impossible de reproduire. Sur nos navigateurs, rien. On fait essayer par plusieurs personnes, rien. On n'arrive pas à comprendre. C'est là que d'un deuxième acteur va rentrer en jeu, c'est le boss. On va mettre en place, on va appeler des acteurs, on va monter un environnement de test, isoprod. On va appeler une trentaine de personnes dans l'IT pour qu'ils naviguent sur le site. On a branché le monitoring dessus et on va essayer de leur dire bah, charger des pages et on voit. Toujours rien. Donc on est un peu, on fait un peu chou blanc et c'est là que les invités vont avoir un intérêt. On va rentrer en contact avec un expert de Google qui va nous aider à traiter le sujet et nous expliquer bah, qu'est-ce qu'on a mal vu, qu'est-ce qu'on a mal fait, mal compris, et nous aider à traiter le sujet. Ça s'est fait en deux étapes et on voit nettement que, bah, au final, on était même meilleur que ce qu'on était avant. Et avec tout ça, donc, bah, c'est là que les acteurs ont tous un intérêt, et c'est pour ça qu'on les a choisis, à des moments différents, à des fréquences différentes, mais il faut qu'ils soient là, parce qu'un acteur qui n'est pas récurrent et qu'on n'inclut pas, ne va pas être au courant et ne va pas remonter les informations. Donc là, on a vu un use case un peu douloureux pour nous, forcément, puisqu'on s'est pris une petite claque en termes de performance, et le comité nous a permis de résoudre le problème dans un délai à peu près raisonnable, mais on aurait adoré pouvoir l'éviter. Donc on a appris avec cet élément-là. Le premier point, c'est ce qu'a dit Alexandre, c'est qu'on n'avait pas la bonne métrique. Donc une fois qu'on a compris et qu'on a la bonne métrique, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et c'est les résultats qu'on voulait partager un peu avec vous, c'est qu'on a beaucoup moins de problèmes. Alors, c'est un peu comme Néo, hein. Les balles continuent de pleuvoir, c'est juste qu'on sait les arrêter, c'est tout, hein. Et le comité WebPerf, il servira jamais à ce qu'il n'y ait plus de balles qui vous arrivent. Enfin, les erreurs, ça existera toujours. Et donc le principe, c'est qu'il faut avoir un comité pour être efficace dans le fait d'éviter l'impact, à tous les sens du terme. Et donc, c'est ça l'important, c'est qu'un comité WebPerf efficace, il n'empêchera pas que les problèmes surviennent, mais il va savoir bien les traiter avant que ça soit des vrais gros problèmes graves. Et c'est ça qui est le point vraiment important à comprendre, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes en amont, parce qu'il y a trop d'acteurs dans l'entreprise qui peuvent influer, mais ça va aider à pouvoir le traiter comme il faut. Donc c'est vraiment le second point, c'est que quand il y a des problèmes, on les voit, on les attrape plus vite. Et donc aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu sur un des graphes, hein, c'est qu'on voit des fois, on a des petits pics hein, dans notre CLS, hop, il y en a des pics qui reviennent, quelqu'un s'est raté sur une intégration, on voit d'un coup que ça monte. Comme on se voit toutes les semaines avec le comité WebPerf, quand on analyse nos métriques, on le voit, on va revenir vers la personne, on traite, ça redescend tout de suite, pas de problème. Ce truc-là, si on le laisse vivre, en fait, et si personne n'est au courant, bah, ça peut vivre pendant des semaines avant que ça ait un impact quelconque à un moment. L'autre truc important, c'est qu'on identifie en fait les améliorations qu'on va prioriser. C'est aussi vraiment le sujet de fond de notre comité. C'est, comme je disais, on ne pourra jamais faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de problème. Par contre, il y a des problèmes récurrents qu'on va quand même traiter pour qu'ils disparaissent. Donc en fait, on travaille sur un certain nombre de récurrences, typiquement les intégrations de bannières. Hein, s'il y a d'autres personnes qui ont des sites de e-commerce, vous savez que de temps en temps, on met des petites promos, des petits codes, tape ce code et puis t'auras 20%, acheter un offert, etc., etc. Toutes ces intégrations-là, ça peut être assez destructeur en termes de web perf, mais même d'expérience utilisateur quand effectivement ça fait... le CLS, c'est pas juste un truc pour faire plaisir à Google, hein, c'est vraiment un truc pénible pour l'utilisateur quand l'écran bouge. Et donc tous ces éléments-là, en fait, on les a priorisés dans la roadmap pour se dire, bah, en fait, ce problème-là, on l'a rencontré 3-4 fois en l'espace de 2 mois. Donc en fait, là, il y a un vrai besoin business et c'est pour ça que c'est important d'avoir du business dans le comité WebPerf, c'est que le business va te dire attention, on a besoin de ce truc-là, et donc nous, on cherche une solution technique pour qu'ils puissent l'avoir sans que ça vienne impacter la WebPerf. Donc on a lancé un développement pour pouvoir intégrer les bannières et qu'ils puissent piloter ça proprement sans que ça vienne nous péter la WebPerf, tout en gardant la fonction business nécessaire. Et puis le dernier point, c'est qu'on maîtrise mieux notre sujet. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le comité WebPerf aujourd'hui, on est tous beaucoup plus forts qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an, et ça c'est cool. Et c'est important parce que c'est de la connaissance, c'est de la diffusion de cette connaissance et c'est de l'évangélisation dans l'entreprise. Et le fait d'avoir cette maîtrise, ça améliore aussi la façon dont on fait la veille. Et donc aujourd'hui, on se sent beaucoup plus équipé, entre guillemets, pour être en capacité de bien traiter les évolutions qu'il peut y avoir dans tout ce domaine de la WebPerf. Et on pourrait se dire, mais pourquoi faire un comité alors qu'on pourrait monter à chaque problème un groupe pour résoudre le souci? Donc ça, on a expliqué un peu dans toute la présentation pourquoi c'était intéressant, mais il y a d'autres idées. C'est que, bah, comme le dit Buzz, vers l'infini et l'au-delà, il y a toujours quelque chose à faire en web performance.
Là, en exemple, on va préparer la nouvelle métrique. Elle a été annoncée, enfin, elle a été parlée aujourd'hui également, mais l'INP. L'idée, c'est pas d'attendre que ça arrive et d'avoir le laps de temps laissé par Google pour se mettre à jour, pour se préparer. Donc, le comité WebPerf va continuer à travailler là-dessus. On a eu des problèmes sur le CLS, donc on a travaillé beaucoup dessus, on est assez performant, mais derrière, on a laissé pour l'instant le LCP, le FID. C'est encore des sujets qu'on garde et on va pas attendre d'avoir des problèmes comme on l'a eu pour les traiter. Donc, le comité va continuer à travailler dessus et à s'améliorer. C'est aussi continuer à travailler sur les challenges, à challenger notre stack technique, qui n'est pas forcément la plus optimisée pour ça, la remettre en question, essayer de voir, de faire des tests, rester bon sur les webpers. Ça, c'est forcément, c'est un peu le sujet de la journée. Et le dernier, c'est le survey sur nos communications avec les pays. Le challenge, il n'est pas que au niveau des web performances, il est aussi de challenger notre communication, parce que l'intérêt du comité, c'est de partager et d'évangéliser sur la web performance. On va traiter avec différents pays sur les mails de communication qu'on a montré tout à l'heure. Ces mails, en fonction des acteurs qu'on a en face, sont des fois trop techniques ou pas assez techniques, en fonction de l'intérêt et de l'affinité qu'a la personne avec la web performance. Et l'intérêt, c'est de continuer à challenger notre communication et à améliorer pour chaque acteur qu'on a en face et être le plus clair possible sur à quoi sert la web performance. Est-ce que tu veux mettre un petit mot de la fin ? Petit mot de la fin, merci beaucoup de votre attention cette fin de journée, ça a été dense, donc vous avez été résilient, c'est bien, c'est important pour la WebPerf aussi. Donc merci beaucoup, et puis c'est notre dernier slide, donc si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Bonjour, Johnny, le Parisien. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai une question pour vous, même plusieurs. Premièrement, c'est la taille de vos équipes. Est-ce que vous êtes, est-ce que c'est une grosse équipe? Est-ce que vous êtes divisé en feature team? Et deuxièmement, la deuxième question qui va arriver, c'est ce qui va être en rapport avec la présentation, c'est comment est-ce que le comité, en fait, monitor en gros, est-ce que c'est le comité qui monitor en fait la WebPerf, ou est-ce que chaque, par exemple, équipe qui sont au sein de la Redoute le font? Et lorsqu'il y a des... Ouais, j'ai tellement de questions, désolé. comment est-ce que, en fait, comment est-ce que vous monitorez la WebPerf de votre côté? Et vous refaites monter en fait ces problèmes-là, comment est-ce que c'est traité derrière? Et j'ai une dernière question aussi. Ouais, j'en ai beaucoup. Je vais déjà répondre à tes premières questions, sans quoi je vais oublier au fur et à mesure, parce que tu vois, j'ai les cheveux blancs, je suis plus tout jeune. Mais sur ta première question, en fait, le comité, c'est des personnes qu'on a pris dans... Alors, on a une organisation sur le digital, plutôt en feature team, mais le comité, en fait, il est constitué de personnes qui viennent de différentes feature teams, justement. Et c'est ça le principe, c'est que, encore une fois, si tu veux que ça fonctionne, ton comité, il faut que tu aies des représentants à différents endroits pour pouvoir diffuser cette connaissance. Donc, c'est pas des... Enfin, ce qu'on a appelé les résidents dans notre présentation, c'est des personnes qui sont tout le temps dans le comité, si tu veux, mais qui sont dans différentes feature teams. Donc c'est des devs, c'est des personnes qui sont côté business, ça peut être des PO, ça peut être le responsable SEO qui est côté marketing, mais donc eux, ils viennent de temps en temps. Et qui monitor, en fait, qui est ta deuxième question? Oui, le comité WebPerf le fait systématiquement, parce que c'est notre boulot, si tu veux, et qu'on est là pour ça. Dans un monde idéal et merveilleux, il faudrait que dans chaque équipe, les gens prennent l'habitude, si tu veux, de regarder quand ils vont livrer des choses, si ça vient impacter la WebPerf. Pour le coup, quand dans une équipe, on a un représentant du comité WebPerf, il le fait systématiquement, et comme ça, on n'a pas de souci. Il y a certaines équipes où on n'a pas de représentant du comité WebPerf, on ne peut pas avoir toutes les équipes qui sont au comité WebPerf, et là, du coup, c'est le comité qui va regarder pour eux s'ils n'ont pas pensé à le faire et qui va leur remonter les feedbacks. Et du coup, ma dernière question, ça remonte... Enfin, c'est plus en rapport avec le problème que vous avez rencontré. On a eu un problème similaire, en fait. Et on a eu le rapport sur la search, Google Search Console. Et du coup, le SI nous a remonté en fait un problème similaire au vôtre. Et 14 jours, c'est énorme en fait pour nous. Du coup, je voulais savoir si vous avez trouvé en fait un autre moyen de pouvoir détecter en gros ce genre de soucis en dehors en fait de la Google Search Console.
En fait, c'est ce qu'on a présenté, les dashboards Dynatrace, là, qu'on a présenté. Et Dynatrace, ils sont en bas, tu peux encore les voir, je pense, avant de partir. Ils te proposent un Real User Monitoring. Donc ça, c'est de la capture de données en temps réel, en fait, centrée sur les Core Web Vitals. Donc là, on a présenté les Core Web Vitals, mais tu peux mettre tous les indicateurs de WebPerf, pratiquement, ils sont supportés par Dynatrace. Et il y a d'autres éditeurs aussi qui font des outils comme ça. Mais en tout cas, nous, on utilise Dynatrace et c'est du temps réel. C'est-à-dire que nous, quand on fait une mise en prod impactante, par exemple, quand on a corrigé notre problème de CLS, là, on a poussé sur le petit bouton le matin pour faire notre mise en prod, et puis dans le quart d'heure qui a suivi, on a pris notre Dynatrace préféré, on a rafraîchi F5, et puis on a vu que c'est bon, le CLS il dropait immédiatement. Donc là en fait, ça c'est des outils temps réel. Donc ça va te permettre toi d'avoir un suivi direct, et après les outils qui sont proposés par Google, eux ils ont le temps d'intégration si tu veux qu'il y a côté Google, qui est la période de 28 jours glissante. Donc quand tu as fait un gros désastre, en fait tu vas le voir à la moitié parce que c'est tellement impactant ce que tu as fait que tu vas le voir à la moitié, mais si tu as fait un truc qui dégrade un petit peu, tu verras peut-être qu'au bout de 21 jours, c'est même pas peut-être 14, c'est peut-être 21 ou même 28. Et donc l'intérêt d'avoir des vrais outils si tu veux de monitoring avec du real user monitoring, et il y a eu pas mal de confs là-dessus aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette dimension temps réel qui va te permettre de voir tout de suite ce que tu fais, c'est bon, c'est pas bon. Le jour où on a fait notre mise en prod pour notre correctif, un quart d'heure après le correctif, on était au café en train de se dire c'est cool, c'est bon. Le changement qu'on a vu, j'avais mis deux graphes, 90, 75 percentiles. En fait, c'est une configuration qu'on a fait dans Dynatrace. Nous, on avait juste configuré, on l'aurait mis directement à 75. On aurait mis un jour max pour le repérer. Ça, notre mise en prod était le matin. Avec Dynatrace, on l'aurait repéré tout de suite. C'est juste qu'on avait pris une configuration qui ne convenait pas pour observer ce genre de choses. Et comme on ne l'avait pas, il a fallu que ce soit le SEO qui nous remonte le problème. Maintenant, ça ne sera plus le cas parce qu'on monitore bien cette donnée en temps réel. Quoi. Il y avait une autre question, je pense. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était top. J'avais aussi plusieurs questions. Du coup, quid de l'automatisation? Parce que du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez ce comité qui va permettre du coup, de soulever des alertes. J'imagine que vous avez tout ce qui va être alerting, du coup, qui va venir peut-être de Dynatrace. Mais du coup, est-ce que vous avez quelque chose en amont? Donc, par exemple, imaginons une release, budget de performance qui bloque cette release, et du coup, votre développeur n'est pas capable en fait de faire cette release, ou pas du coup, apparemment, probablement pas. Mais du coup, c'est la question que je voulais poser. C'est est-ce que c'est dans vos plans pour la suite, par exemple, de mettre ça en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, pour être sûr d'avoir bien compris ta question, c'est est-ce que, en fait, quelque chose qui doit résoudre un problème de WebPerf peut être bloqué pour une raison X ou Y, c'est ça, budgétaire? Non, ma question, c'est plutôt... Oui, voilà. Est-ce que vous avez une intégration CI-CD? Ah, une intégration CI-CD complète dans... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certains cas de figure que tu ne pourras pas voir avec des tests automatiques. Typiquement, le problème de CLS qu'on a rencontré, ce n'est pas un truc que tu pouvais voir avec des tests automatiques. Tu n'as que du real user monitoring qui te permettra de voir ça. Or, quand tu fais de la CI/CD, en fait, les signaux que tu vas capturer, si tu veux, ils sont trop faibles. Ce n'est pas représentatif. Tu vas avoir un bot qui va passer, qui va faire un parcours, mais ça ne va pas être représentatif. Et donc... En fait, il y a une partie de choses que tu peux essayer de tester en avance de phase au niveau des devs. Donc ça, c'est les outils qu'a présenté Alex. C'est-à-dire que tu vas utiliser tes outils dans ton Chrome préféré pour aller tester un certain nombre de signaux. Mais après, c'est vraiment quand tu vas être live que tu vas te rendre compte. Un des intérêts en fait, qu'il y a et qu'on a trouvé nous aussi dans Dynatrace, c'est qu'on a beaucoup parlé en fait, dans le RUM ou dans les Crux Dashboard du fait que c'était du Google. Mais en fait, Dynatrace, ils ont réimplémenté le calcul des Core Web Vitals, donc on l'a aussi pour Safari par exemple. Donc si on veut savoir en fait, quel est l'état du CLS ou du FID ou du LCP dans Safari, on n'a pas de problème. On l'a cette info. Donc en fait, aujourd'hui, notre façon de faire, c'est plutôt de se dire en intégration continue et donc dans nos pipelines, automatiser ces trucs-là, c'est très complexe. Et on n'est pas sûr que ça nous permette d'attraper les problèmes. Il vaut mieux finalement se dire, quand j'ai quelque chose de significatif qui va monter en prod, je vais plutôt monitorer dans l'heure qui suit la MEP. On met en prod tous les jours, on a effectivement des pipelines d'intégration continue qui sont assez efficaces. On fait des mises en prod tous les jours. Donc en fait, le matin, c'est simple, à 9h30, après le café, on va gentiment regarder quelle est notre web perf et on sait si la MEP du matin, elle a pété quelque chose ou pas. Ok, bon, c'est un point de vue. C'est vrai que nous, du coup, on aimerait bien du coup, l'intégrer dans la CD et...
pouvoir carrément bloquer en fait les releases. On sait que c'est pas simple. Et c'est pas, du coup, si je peux ajouter quelque chose, si je me souviens bien de l'édition précédente, le Bon Coin fait ça. Ils intègrent à leur CI/CD et ils bloquent effectivement les releases avec des tests automatisés. Mais bon, c'est des approches complémentaires, je pense. C'est pas ce qu'on... On n'a pas ça dans les plans pour l'instant, mais effectivement, ça peut être une approche. Hein. Bonjour, merci pour la conf. Vous avez mentionné le fait que le business participait aussi à vos réunions. Et finalement, ça vous permet de les sensibiliser. Est-ce que, du coup, maintenant, en phase de planification, vous arrivez aussi à intégrer toutes ces notions de web perf sur vos estimations ? Oui. La réponse courte, c'est oui. La réponse un peu plus développée, c'est en fait, on fonctionne en méthodologie OKR. Et donc, aujourd'hui, on intègre en fait dans les OKR, chaque fois qu'on juge que c'est nécessaire, quand on a vraiment des steps à franchir, on va intégrer des OKR qui sont liés à la web perf. Et le fait d'avoir, encore une fois, des personnes qui viennent du business, qui font partie du comité, ça nous aide grandement à pouvoir expliquer en fait pourquoi on considère que cette action-là qui va porter sur la web perf doit être un des objectifs du trimestre, comme on fait de la planification de trimestre. Donc ça nous aide là-dessus. L'autre truc important, c'est que on en a parlé un petit peu dans une des pauses, notamment avec Boris, mais on a des actions un peu ad hoc, comme on le disait, sur lesquels on va faire des études particulières sur un partenaire, un third part ou un fonctionnement particulier. Et là, en fait, le fait d'avoir un comité, ça permet de donner confiance aussi au business quand on va les voir et qu'on dit, en fait, on vient de faire une analyse. Voilà les résultats de cette analyse. On a bossé avec la web art, on a bossé avec le business pour regarder les taux de conversion, etc. La web perf, ça fait pas tout. Hein. C'est pour ça aussi que sur la CI/CD, je comprends le point. Mais si demain, je perds 2 points de CLS, mais que je fais plus 5% de taux de conversion, je garde. Hein. La performance globale, c'est un ensemble. Et donc après, c'est pour ça aussi que ce qu'on s'est dit, c'est les bannières. On a développé un widget pour que nos bannières soient correctement intégrées. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un point très business. Et ça, du coup, on l'a priorisé. Donc c'est un truc qu'on a fait prioriser. Aujourd'hui, tu pourrais te dire, mais en fait, les bannières, je peux les poser à la main. Pourquoi je vais consommer 4 semaines de dev pour avoir un widget pour intégrer les bannières? On dit, parce que regarde, tu vois, là, à chaque fois, ça fait 5 fois qu'on dit à l'Italie qu'il faut qu'ils arrêtent de mettre la bannière avec les codes promo en haut qui pètent tout le CLS du site. Et donc ça, en fait, c'est vachement utile pour justement évangéliser. Donc, le business, ouais, ils comprennent, en fait, et plus tu vas communiquer, et cette dimension de communication est importante, plus tu communiques, plus ils comprennent, plus c'est facile. Et vous diriez qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est atteint, et du coup, ça vous a pris combien de temps à établir cette relation ? Alors, le comité WebPerf, on l'a commencé au mois de mars l'année dernière, vraiment, parce qu'avant, comme je vous le disais, on avait essayé 100 et c'est là que ça marchait pas bien. Et donc, on l'a mis en place, ce comité, au mois de mars l'année dernière. On considère qu'il a commencé à vraiment fonctionner, c'est-à-dire à porter ses premiers fruits au mois de juin, donc à peu près 3 mois après sa mise en place. Et on considère qu'avec ce qui nous est arrivé, plus justement nos intervenants extérieurs, ce qu'on a appris aujourd'hui et le niveau de maturité qu'on a, fait qu'on se sent à l'aise sur la web perf depuis globalement le mois de novembre l'année dernière. Donc tu vois, c'est à peu près 6 mois entre le moment où tu le mets en place et le moment où tu as eu suffisamment de challenge dans le comité pour te dire « là maintenant je me sens plus serein ». Bonjour, petite question, enfin dernière question apparemment. Du coup, qui a le lead à la Redoute sur le sujet WebPerf ? Qui pousse le sujet ? Est-ce que c'est la DSI, le marketing ? Voilà, et puis après l'autre question, c'est de savoir, mais très rapide pareil, mais du coup je ne l'ai plus, c'est de savoir quels sont vos objectifs en termes de WebPerf ? Est-ce que c'est juste d'être en dessous des seuils de Google ou c'est plus que ça ? Alors, qui a le lead, c'est ce qu'a expliqué Alex. Il n'y a pas de... On l'a initié avec DSI et marketing, le comité WebPerf. Parce qu'en fait, il y a souvent une sensibilité assez forte à la WebPerf dans le marketing. Donc on l'a initié avec le marketing et on a convié après d'autres entités de la Redoute. Il n'y a pas de chef du comité WebPerf.
L'animation, c'est un rôle tournant déjà. Donc, ce n'est pas tout le temps la même personne qui va animer le comité du jeudi. C'est un comité de 30 minutes, encore une fois, mais ce n'est pas tout le temps la même personne qui anime. Ce n'est pas la même personne qui fait les comptes rendus. Donc, on essaye de faire en sorte que ça soit un rôle partagé pour que ça soit vraiment quelque chose, encore une fois, qui infuse dans l'entité. Et donc, il n'y a pas un porteur officiel. Le comité, en fait, il n'est pas ni DSI, ni marketing, ni business. C'est un comité webperf. Voilà. Et sur ton second volet, bah c'est vers l'infini et au-delà. En fait, nous, on n'a pas un objectif d'être juste en dessous de la limite des Core Web Vitals. Notre objectif, c'est d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Et donc, d'améliorer en permanence tout ce qu'on peut améliorer pour que l'expérience client soit au meilleur niveau possible. Et tant qu'on peut améliorer des choses, bah, on va continuer. Et c'est un boulot sans fin. Enfin, je veux dire, quand tu fais évoluer ton site, tu peux faire évoluer ton site, améliorer l'expérience d'un côté, la détériorer de l'autre, il n'y a jamais de fin. Bon, merci beaucoup. C'est la fin des talks et des présentations. On va vous demander de rejoindre l'auditorium pour le talk de clôture. Encore merci à la Redoute.